Hey, salut! J'espère que vous avez aimé écouter le film autant que j'ai aimé faire l'aventure. Donc on va faire ça simple. En fait, c'est un mini guide, donc si ça te tente de faire la même aventure, pratiquement toutes les informations vont être là. Donc premièrement, c'est où? Donc le Mont Logan, dans le fond, est situé dans le parc national de la Gaspésie, qui est au nord milieu de la Gaspésie, si on veut. Donc c'est ça. Comment se rendre, dans le fond, c'est la façon plus facile, je dirais que c'est à partir de Captcha. Et vous remontez, vous descendez vers le sud. Parce que dans le fond, vous devez vous rendre au village Chic-Choc, qui est le départ du sentier. Par rapport à ça, donc les prix, le parcours, c'est un parcours de 5 jours que la CEPAC propose. Donc c'est 5 jours, 4 nuits. Ce qui apporte les frais avec l'accès dans le fond à chaque jour. Ça fait 200$ pour les 5 jours avec l'allocation des refuges. Ensuite de ça, vous devez avoir des skis de randonnée. Là, vous devez vous en louer ou si vous en avez déjà. Si vous voulez en louer, je vous conseille la Caroun qui est à Sainte-Anne-des-Monts. C'est 275$ pour les 5 jours. Il y a possibilité de les prendre et de les dropper même en dehors de leurs heures de location. Donc je disais, c'est Caroun Ski Shop à Sainte-Anne-des-Monts, vraiment serviable. Il m'avait laissé plusieurs bottes dans le locker pour que je puisse en prendre plus qu'une. J'essaye celle qui me fait bien puis je laisse les autres là, donc ça va super bien à ce niveau là pour ce qui est du prix aussi avec la CEPAC, que je disais qui est 200, moi j'ai pas fait de transport de bagages,
Donc, vous avez la possibilité de faire votre transport de bagages par une motoneige. À ce moment-là, ça ajoute un coût. Je pourrais pas dire par contre combien. C'est de ça, en parlant un peu de mon coup de cœur, puis de Logan, puis de ce que je vous suggère ou non. Là. Donc, on va ouvrir la map. Donc, vous partez ici, en haut, qui est le village Chic-Choc. Village Chic-Choc aussi, j'ai oublié de dire, c'est 5$ par jour de stationnement. Donc, vous faites ça ici, vous êtes pas mal dans la forêt. Les premières parties, c'est pas mal dans la forêt. Il y a un petit passe à traverser ici. Là, vous retournez dans la forêt. La vue sur le bord du lac ici est super belle. Puis, vous arrivez au refuge, le Huor, qui est magnifique, qui est énorme. Là, je pense qu'il y a 20 lits dedans, donc ça se peut que vous ne soyez pas tout seul. En fait, tout le long du trip, ça se peut que vous ne soyez pas seul. Mais dans le fond, ce refuge-là est très beau. Vous avez vu sur le coucher de soleil sur le lac, lac Thibault, donc c'est très beau. Le lendemain, vous commencez la journée traversée. Vous suivez le chemin ici au sud. Remontez, vous arrivez ici au mont Louis-Marie-Lalonde, que là, c'est, je dirais, là, ça commence à être extrêmement beau. Donc, si vous avez de la chance, à partir d'ici, les fantômes, donc les arbres enneigés, commencent à se montrer très beaux. Et vous finissez votre journée en arrivant à la Chouette ou au Nictal, dépendant quel refuge vous avez loué. Ensuite de ça, techniquement, dans le fond, selon la CEPAC, ils vous réservent l'aller-retour de la Chouette et le Nictal jusqu'à Logan le lendemain. Mais je vous dis, c'est 100% faisable, les deux dans la même journée. Par ça, je veux dire, du Huor jusqu'à la Chouette, puis faire Logan. C'est ce que j'ai fait parce que je savais que ma journée de congé au refuge La Chouette allait être dans la pluie verglaçante. Donc, j'ai décidé de faire le Mont Logan en soirée, en prenant même une pause en après-midi à Chouette. Là. Donc, je vous dis, c'est amplement de temps. Si vous êtes moindrement en forme pour faire du Huor jusqu'au Mont Logan et de retour à la Chouette dans la même journée. Donc sinon, si vous êtes des fans de ski alpin, ben dans ce cas-là, je vous conseille fortement de faire le Mont Logan le lendemain, faire des descentes. Attention aux avalanches, c'est un terrain qui peut être risqué en avalanche. Donc faites des descentes, vous remontez et vous retournez coucher à la Chouette ou au Nictal le soir. Ensuite, ma partie préférée, que je dirais qu'il y a une partie moins connue, c'est pas la partie qu'on voit le plus, mais ça a vraiment été ma partie préférée. Donc c'est vraiment la partie la plus sauvage, je dirais. C'est à partir du refuge, la Chouette ou le Nictal, et vous passez vraiment dans l'arrière-pays. Donc cette section-ci est magnifique, vraiment ouverte dans les sapins avec entouré de montagnes et de lacs, donc c'est extrêmement beau. Sur ça, vous revenez et vous allez jusqu'au Carouge. Ça, c'est 10 km seulement, cette journée-là. Donc, moi, rendu là, j'avais loué le Carouge ce soir-là, mais je commençais à m'emmerder un peu. J'étais arrivé au Carouge en prenant mon temps, en filmant, il était 11h du matin. Donc, pour moi, il n'y avait pas question que je dorme là puis que je passe la journée attendre au Carouge pour me coucher pour partir le lendemain. Donc j'ai fait ensuite de ça le 19 km qui me rapportait jusqu'au départ. Puis je suis arrivé à 3h à ma voiture. Donc si vous êtes moindrement en forme, sachez que le 10 km jusqu'au Carouge et ensuite de ça le 19 jusqu'à la voiture est amplement faisable dans la même journée. C'est pratiquement que de la descente. Donc ça se résume à ça. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Sinon, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir de répondre. Et là-dessus, à la prochaine aventure.